Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un nouveau mode de Sonic Generation. Cette fois-ci, voilà, ils sont pas fait chier par contre à faire une présentation, à faire un nouveau logo. Mais c'est un mode assez sympathique qui contient deux niveaux, sachant qu'il y en a un qui est buggé à la fin. Donc on va faire l'autre buggé à la fin après. Donc voilà, c'est ce niveau. Hang Castle. Écoutez la musique. Ça vous rappelle pas des bons vieux souvenirs. Ouais, donc on va faire la version Sonic moderne parce que c'est celle qui bug pas au début. Sachant que le niveau de Sonic moderne est très long. Donc bon. Il est même un peu trop long à mon goût, je trouve. Mais bon, je vais quand même vous montrer à 100%. Ah, parce que sinon, le regarder juste. Déjà, quand le jouant au début, au bout d'un moment, tu te dis c'est un peu trop long. Même s'il est sympa, mais. Il me semble qu'un niveau de Sonic, vaut mieux que ça dure à peu près au grand max 5 minutes, quoi. Non, le temps parfait, c'est 4 minutes à peu près, ouais. 2 minutes 30, c'est un peu trop court. Et après, ouais, c'est. Ce qui est dommage, c'est qu'on a plutôt du 2 minutes 30, voilà. Et là, bah, c'est le niveau, il dure, bon, sans déconner, je crois qu'il dure 8 ou 9 minutes. C'est un truc de fou. Sachant que, voilà, il reprend le niveau Hang Castle dans Sonic Heroes. Je sais pas si j'ai mentionné Sonic Heroes avant. Voilà, donc ça vient de Sonic Heroes, ce niveau. Et... bien sûr, le tracé du niveau est complètement différent de la version originale. Là. C'est pas du tout comme ça. Donc c'est assez intéressant de le faire. Sachant que il y a quelque chose qui a été assez bien repris, qui est la particularité de Hang Castle. C'est qu'on est à la fois... Là, vous voyez, on est dans un monde normal. Et des fois on peut être dans un univers complètement retourné en fait. Tous les bâtiments sont complètement retournés. Vous allez voir. Et d'ailleurs la musique change. Voilà, c'est à chaque fois qu'on passe ça. Voilà, la musique change. Quand elle est comme ça, c'est à dire qu'on est à l'envers. Voilà, là tout est à l'envers. Donc, genre le ciel est en dessous quoi. Ça c'est assez sympathique. Je trouve que c'est une très bonne reprise, il y a vraiment des... Non, dans les Sonic, je trouve dans les Sonic 3D, il y a certains Sonic 3D qui se démarquent, bah, comme ce Sonic Heroes, où il y a quand même des bonnes trouvailles dedans, dans certains niveaux. Ou comme on peut avoir des niveaux très speed par rapport aux autres, comme Speed Highway dans Sonic Adventure 1. Mais voilà, moi j'ai toujours, de toute façon j'ai toujours adoré les Sonic 3D. Ça changera pas. Même si j'adore aussi les premiers Sonic, les Sonic 2D. Mais que j'ai fait plus tard. J'ai d'abord commencé... mon premier Sonic 2D c'était sur Game Boy Advance, donc voilà. C'est quand même un Sonic 2D assez récent, un Sonic Advance. Et là, je me concentre. Ah, faut pas tomber quand même parce que on risque de prendre cher. Il y a pas souvent de checkpoint. Ah voilà, une texture assez chelou. On dirait de l'eau à moitié.
Bah, je pense que c'est ça, mais on marche comme si c'était de la pierre. Voilà, la musique est très bien reprise d'ailleurs, c'est un remix. Ah, sauf là. Là, je crois qu'ils ont vraiment repris bah, le thème de base. Mais avant, c'était un remix. Ah, attends, non, je confonds, c'est là le remix. Là, c'est un remix, et avant, c'était le thème de base. Ouais. Putain, par contre, on peut tomber très facilement ici, faut faire gaffe. Parce que la maniabilité, c'est pas complètement ça, quand même. Voilà, magnifique Dr. Eggman, quand même. Super bien fait. Pour un mode, franchement, c'est impressionnant, je trouve. Enfin, tous les modes de Sonic Generation, qu'à ceux que j'ai téléchargés, ils sont vraiment... C'est pas rien du tout, quoi. Parce que bon, par exemple, bah, t'as beaucoup de modes dans des jeux sur PC, c'est juste pour les graphismes, pour améliorer les graphismes. Bon, même si c'est pas négligeable, hein, dans GTA V, par exemple, le jeu est bien plus beau. Ou dans autre chose. Ou même des modes qui s'appellent les texture packs qu'on rajoute sur des jeux de GameCube qu'on peut faire tourner sur notre PC grâce à Dolphin, l'émulateur. GameCube, oui. Bon, là, par contre, c'est un peu n'importe nawak. Ils ont un peu fumé, je pense. Faut aller de ce côté-là. Non, ça, c'est pour avoir la one-up. Faut aller vers les lumières vertes. Et là, j'avance plus. Ah bon, c'est un peu WTF par contre ce passage, hein, c'est... Ils ont un peu fumé dans la broquette. Voilà, je crois que j'ai réussi. Ah, magnifique. Fallait faire un... Fallait foncer, faire un dash. Et ça passe tout seul. Voilà, bon bah vous voyez, c'est quand même vraiment sympa. Et bon, regarder le niveau, c'est pas du tout la même chose que de le faire hein, dans un Sonic. Même si vous vous spoilez, évidemment. Bon, après, ceux qui n'ont pas Sonic Generation, voilà, c'est bien sympathique d'avoir des vidéos comme ça. Oh, mais quel effet psychédélique! Je trouve que le ciel est assez bien fait. Même si c'est juste un screenshot. Ça rend bien, je trouve. Alors on fait toujours de différentes acrobaties pour que ça soit plus efficace. Pour qu'on remplisse plus notre jauge de turbo. Magnifique. Phase en rail. Après vous voyez, voilà, le niveau là, je trouve qu'il est un peu long. Voilà, à partir de là, après c'est quand même amusant de le parcourir, mais bah, faut changer un peu de thème, quoi. C'est ça le truc. C'est pour ça que dans Sonic 2D premier du nom, Sonic the Hedgehog, bah il y a 3 actes, et ça a semblé, je pense, un peu trop pour les joueurs, 3 actes par environnement. Donc à la place, ils ont préféré faire plus d'environnements différents dans Sonic the Hedgehog 2, et faire seulement 2 actes par environnement. Bon, là, on est à la fin du niveau. Je me suis plutôt bien démerdé, parce que normalement, quand même, la première fois, on met un peu plus de temps. Je suis pas tombé une seule fois, faut... PGM, que voulez-vous dire, PGM, pour une fois que ça s'est bien passé. Pour une fois qu'il n'y a eu pas un fail chelou. Bon, le fail chelou, ça va être après, hein, dans la phase de Sonic classique, hein, je le sens. Là, c'est à la fin, quand vous montez d'un bâtiment. Il y a ça aussi dans Sonic Heroes. Si, ouais, si je me souviens bien, ouais.
au monde d'un petit mort comme ça à la fin. Et voilà, on va faire la phase avec Sonic classique et je vais vous laisser là. Même si, attendez, il y a peut-être une surprise dans ce mode, on ne sait jamais. Non, c'est que les niveaux classiques. Allez, c'est parti. Sachant que bah il y a quand même beaucoup de niveaux de mode qui sont faits par avec la version Sonic moderne. C'est assez rare avec Sonic classique. Là, je pense que c'est les deux seuls modes que je vous ai montré, enfin ce mode là et le mode Sonic Adventure, c'est les deux seuls modes où il y a Sonic classique dedans quoi. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je pense que c'est quand même plus simple de modder un niveau de Sonic classique que de modder un niveau Sonic moderne, vu que c'est en 3D quand même. Sachant qu'il y a un niveau aussi de Sonic moderne sur Sonic Adventure 2 aussi. Sauf que ce niveau-là n'est pas téléchargeable. C'est le créateur, il nous l'a pas. Il l'a pas mis en lien de téléchargement. Donc avec lui-même qui peut jouer à son propre niveau. C'est super. Et c'est le niveau sur les bateaux là. Metal Harbor, les bateaux métalliques, les paquebots métalliques, ça sonne bien. Donc voilà, vous voyez que bon là je me suis blindé, vous voyez que la bulle permet de rebondir un peu plus haut. Magnifique glitch. Oh putain non! Oh je peux plus! Je peux plus bouger Je peux plus le prendre le bumper. Attends, on va replacer Sonic si on y arrive. Ouf, c'est bon. Ah, il peut y arriver aussi des bugs comme ça. Et des fois bah c'est. Bah, on peut pas trop changer quoi. Des fois on est bloqué de chez bloqué. Et donc faut recommencer. Voilà, parce que ça c'est des semi-zones scriptées, hein, évidemment avec les rails tout ça, il y a toujours des zones semi-scriptées dans les Sonic. Et les modes ne font pas exception à la règle. Sauf que bah on voit que c'est moins bien maîtrisé et que des fois il y a des bugs, des glitches. Alors qu'il n'y en a jamais dans le jeu de base. Et que je suis mort. Bah voilà le magnifique fail. Il est là. Et purée, on recommence depuis le début. Magnifique. Bon, au moins vous voyez une autre portion du niveau. C'est. Bon là le remix c'est pas non plus incroyable. Hein. Bah ils ont mis un peu de batterie quoi. On entend mieux la batterie. Mais sinon c'est tout. Sinon c'est vraiment bah, le même thème. Ils ont rien changé d'autre. Ah, vous voyez que quand même il y a plusieurs passages et ah, ce sont pas des fainéants là-dessus, ils ont fait vraiment plusieurs passages. Bon, moi j'ai perdu, voilà, c'est pour vous montrer le passage. Tout est calculé. Le passage alternatif. Ah, le spin dash. Mais vous voyez quand même, c'est quand même des bons modes. C'est pas des modes à l'arrache. Genre, il y en a quand même des modes à l'arrache dans Sonic Generation. C'est juste une nouvelle skin, mais dégueulasse, quoi. La plupart du temps. Ou avec les animations de Sonic de base, ça fait pas crédible, quoi. Par exemple, tu peux avoir Knuckles, ou tu peux avoir Rayman, quoi. Rayman dans. Rayman dans Sonic Generation. Ou Luigi. Luigi dans Sonic Generation. Luigi avec les animations de Sonic, vous vous rendez compte quoi? C'est n'importe quoi. Mais ça fait pas du tout crédible, et bon, même si Luigi est bien fait, hein, on ne dit pas le contraire. Bah.
les animations ne vont tellement ne collent tellement collent tellement mal au personnage que voilà. Mais évidemment ils sont, les animations sont les mêmes quoi. Il y a juste la skin qui change. Mais la skin qui est très bien faite d'ailleurs. Parce que autant on peut dire que des fois il y a des skins qui oui je sais ça peut vous saouler ce bruit. On va quitter. Voilà. Parce que c'est la fin du niveau. Hein. Ils ont pas réussi à faire une vraie fin. Et donc oui, il y a certaines skins où il peut y avoir pas mal de bugs graphiques avec la skin d'avant parce que c'est juste un... Comment on appelle ça? C'est juste une couche de peinture qu'on rajoute par-dessus l'ancienne skin, quoi. Donc ça rend un truc assez moche. Et ça, c'est par exemple, ça c'est les skins qu'on retrouve dans Sonic Adventure sur PC. Parce qu'il y a eu pas mal de skins différents dans Sonic Adventure sur PC comme mode. Et ça, c'est vraiment les modes qui servent à rien, quoi. Et voilà, donc voilà, c'était la fin. Voilà, regardez-moi cette magnifique modélisation de Chemical Plant. Franchement, c'est magnifique. J'ai envie de faire le niveau. Tellement que c'est magnifique. Ah mais, il était plus beau avant. Bon allez, je suis pas motivé là. Ah forcément, il fallait qu'il y ait une chute. Et voilà, sur ce, je vous dis à la revoir pour de nouveaux modes. Et ça me fait vraiment plaisir de vous partager les différents modes de Sonic Generation. Qui sont, admettons-le quand même, sont des modes nostalgiques. Hein. C'est Nostalgia Land. Parce que bon, c'est à chaque fois d'anciens niveaux, d'anciens Sonic 3D, voire 2D. Parce qu'il y a Mystic Cave qui a été fait en mode. Tiens, bah allez, c'est le bonus de cette vidéo, vu que c'est le seul mode d'un Sonic 2D. Avec Sonic classique, tout court, et que Sonic classique. D'ailleurs, il y a un gros troll pour Sonic moderne que je vais vous montrer. Donc voilà, sur ce, je vous dis à dans 2 secondes. Bon, ce mode-là, franchement, je le fais parce que c'est le seul mode venant de des Sonic 2D. Donc si je fais que ce mode-là en une vidéo, voilà, c'est un peu limite. Donc je le mets avec le mode Sonic Heroes. Donc, vous allez voir. Déjà je trouve que le fond d'écran avec seulement les nuages, je trouve ça stylé. Ah, et là avec que les projecteurs et les voitures qui volent, voilà. Le futur de demain. Je vais regarder vite fait s'il y a quand même d'autres niveaux. Ah, c'est la surprise des modes. Faut regarder partout, mais non. Y'a que dalle. Donc voilà, y'a que ce niveau là. D'ailleurs ils ont fait... Voilà, ils ont fait une petite présentation pour Mystic Cave aussi. Avec le thème Mystic Cave, remixé. Remixé magnifiquement. Voilà, on est parti. Et voilà, c'est un avant-goût de... C'est un avant-goût de... du Sonic 2017 Megamix. Voilà, c'est ça, le nom du Sonic 2017 Megamix. Merde, je me suis rendu comme une merde. Putain, c'est pas possible. C'est à peu près le même tracé que le niveau de base. Voilà, il y avait d'ailleurs ici un ennemi. Très bien placé pour qu'on lui saute dessus. Comme dans la version de base. Ils ont repris vraiment les mêmes ennemis, c'est vraiment pas mal. Je sais pas s'ils sont dans Sonic Generation de base ceux-là. Donc c'est eux qui ont créé une nouvelle skin et avec une nouvelle attaque. Je pense que c'est plus ça parce que ça me dit rien ces ennemis là. Ah si. Si, il y a des ennemis qui s'électrifient comme ça dans Sonic Generation de base. Mais ils ont pas du tout cette skin là. C'est les hélicos violets, là, les petits hélicos violets. Donc voilà d'où vient cet ennemi. Bon, on va attendre que la plateforme se reforme.
Ouais, s'il veut bien se reprendre. Ouais, je trouve que le niveau est assez bien foutu. Enfin, je vais dire ça à chaque fois. Mais voilà, c'est des niveaux que je vous conseille. Si vous avez Sonic Generation sur PC, eh ben, je vous conseille de télécharger ces mods. Car même si vous faites pas très bien tourner le jeu Sonic Generation, je sais pas, vous faites tourner en 720p, voire moins. Comme moi avant, je le faisais tourner en... avec mon PC HP là, que j'avais avant. Il y a maintenant déjà de ça 2 ans. Et ben, je le faisais tourner en 640x480 limite. En 750x500 quelque chose. Voilà. Une résolution un peu pourrie. Mais c'était pour que ça passe en 50 fps tranquille. Et voilà, c'était... Et puis pour les mods d'ailleurs, ça n'empêchait pas que aux mods de bien fonctionner. Parce que la plupart du temps, on dit que quand on installe un mod dans un jeu, il faut avoir un très bon PC. Mais là, dans Sonic Generation, pas besoin. Enfin, si vous faites tourner un minimum Sonic Generation, là, c'est bon. Ça passe. Sauf à certains moments, il y a un mod où on est poursuivi par un camion dans la jungle. Je vous montrerai plus tard. Abata, c'est le mode Abata, je sais plus quoi là, repris de Sonic Unleashed. Et dans ce mode là, c'est le passage avec le camion, bah, passe à 15 fps, je m'en souviens. Alors que maintenant, bah, ça reste à 60 fps. Donc voilà, là c'est... Attends, là c'est le troll. Donc je vous laisse écouter ce magnifique thème fait avec a cappella. Voilà, c'est magnifique. Quelle voix incroyable. Bon, Monsieur a cappella là de YouTube chante quand même mieux. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle juste Monsieur de a cappella, truc du genre. Voilà, un youtubeur très connu pour faire des chansons juste a cappella et venant de jeux rétro, voilà, ou de jeux récents, venant de jeux vidéo tout simplement. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Voilà, magnifique finale, hein, Mystic Cave avec un magnifique troll. Ouais, hein, tout le monde a été déçu de ne pas avoir de niveau Mystic Cave avec Sonic Modern. Enfin si, c'était un niveau fantastique, hein, vous avez vu, avec ce thème magnifique a cappella, voilà. C'est magnifique. Sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux modes.